Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, l'automne est enfin arrivé en France, le 23 septembre dernier. Vous le savez, les saisons sont différentes selon le pays d'où vous venez. Alors, c'est peut-être le début du printemps pour vous, ou la saison des pluies. Dites-moi tout en commentaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir du vocabulaire lié à cette saison, la saison automnale. Dites-moi, avant de commencer, que vous évoque l'automne? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque je vous dis automne? Nous commençons par la météo et la nature avec les mots liés à cette saison. Les feuilles, la pluie, les champignons, un écureuil, les marrons, les potirons, le vent, nuageux, une pomme de pin, fraîcheur, une forêt. Ces mots de vocabulaire que nous venons de voir représentent la nature en automne, en France, en tout cas. Peut-être est-ce différent chez vous? Si vous avez d'autres mots évoquant l'automne, évoquant la nature et la météo notamment, n'hésitez pas à me le dire. Bien, maintenant, passons à une autre catégorie. Bien sûr, je vais oublier des vêtements, etc. Mais ici, nous allons voir une liste de vocabulaire lié aux vêtements que l'on porte généralement en automne. C'est parti, voyons ça ensemble. Un pull, un gilet, des bottines, des collants, un blouson, un imperméable, un parapluie. Chaque saison a ses fêtes et célébrations. Et en automne, nous avons quelques fêtes notables en France. Nous avons notamment Halloween et la fête des morts. Voyons donc ensemble un peu de vocabulaire sur ces fêtes. Halloween est fêtée le 31 octobre en France et la fête des morts est fêtée le 2 novembre. Voyons donc un peu de vocabulaire. Des décorations, des bougies, des fleurs, des fantômes, des défunts, des créatures surnaturelles, des bonbons, des sorcières, des vampires, un cimetière, un monstre, une maison hantée. Finissons cette vidéo en douceur avec une jolie citation pour illustrer l'automne. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Albert Camus. Eh bien, nous finissons cette vidéo comme ceci. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un bel automne et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles vidéos sur le français. À bientôt.